Hey, salut à tous et à toutes et bienvenue sur Sushi TV. Ici Mister Sushi et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les achats mensuels numéro 24. Il y a 15 jeux ce mois-ci et que du jeu en fait. Voilà. J'ai pas trouvé de DVD, ni de Blu-ray, ni de manga, rien du tout à côté. Il y a principalement du Sony sur 4 consoles différentes. Et quelques jeux Xbox 360. Alors, on va commencer par bien sûr le plus ancien. Et on va terminer avec le plus récent. C'est parti. Pour les jeux les plus anciens, il s'agit d'un jeu PS1. Que bah, c'était la première fois que je le trouvais en magasin. Je l'ai payé 10 euros au lieu de 14 euros. Parce que j'ai négocié dans un Game Cash. Il est complet. Il y a bon, par contre, il y a alors que il y a un petit tampon du magasin qu'il possédait auparavant, qui était à Boulogne-sur-Mer, un Dog Games. Donc, ce jeu, il s'agit de Megaman Legends. Première fois que je le voyais en magasin, j'ai regardé un petit peu les prix sur internet. J'ai trouvé que sur eBay ils sont vraiment abusés. Ils vendent ça à au moins 50 balles. Quand j'ai vu ça, je me suis dit c'était malade. Je vais tester. J'ai pas encore joué parce que j'ai pas encore joué. Enfin, ma PS1 pâle, vu que c'est mon alim japonaise, c'est pas top pour y jouer. Donc j'ai pas encore joué. Et pour le moment. À part être un Megaman en 3D, ça m'attire. Enfin, à part être un Megaman, plutôt, parce que le 3D dedans, je ne pense pas que ce soit la meilleure chose qui puisse exister pour un Megaman. Voilà. Bon, je me suis dit, ouais, voilà, je vais voir, mais j'ai toujours pas regardé. Ensuite, c'est terminé pour les jeux dits rétro. On va continuer avec. Sur Xbox 360, trois jeux que vous avez déjà vus, donc ça va être assez rapide. On a le Forza Horizon 2 en, comment ils appellent ça? Édition collector limitée. Voilà, une édition collector basique. Pour un jeu de course basique, hein, c'est du bon. Vu que c'est le 2, ça vaut pas encore un Gran Turismo, mais c'est quand même assez pas mal. C'est quand même pas mal plutôt. J'ai principalement joué avec la Corolla AE86. Donc c'est pas la meilleure des voitures. Je m'amuse à drifter avec. Voilà. Ça m'amuse. Hein. C'est un petit jeu sympathique. Après, on a Kinect Training que j'ai pris. Voilà. J'ai pris parce qu'il y avait un abonnement Gold à l'intérieur. Voilà, pour 5 euros. Ensuite. Le Star Ocean en édition collector limitée. Voilà. Que j'ai payé avec le Forza et un autre collector sur PS3 pour le tout 20 euros au lieu de 60 balles. Donc, sur PS3, ce collector, il s'agit de Gran Turismo 5 que je possédais auparavant. J'avais gardé uniquement les cartes postales quand je les ai revendues. Voilà. Je l'ai repris, bien sûr, comme voilà, il y a un petit guide avec par le Apex Guide. Et puis bien sûr Gran Turismo qui pour moi reste le meilleur jeu de course au monde. Bien que je n'ai pas encore testé le sixième opus. Pour moi, bien sûr, j'ai grandi aussi avec Gran Turismo 2 principalement. Donc c'est un peu normal. Et on termine avec sur PS3 que j'ai eu pour 0 € avec mes bons d'achat. Donc il s'agit du White Knight Chronicle que je possède déjà en version japonaise. Pourquoi je l'ai prise? Parce que dans le magasin qu'ils vendaient, ils avaient deux versions. La version classique, celle-ci en fait, et la version promo. Bien sûr, j'ai pris la version promo et j'ai demandé à voir la notice. Voilà, parce que voilà. J'aime les jeux promo, c'est pour ça. Donc après, c'est un très bon RPG de chez Level 5. Je suis pas accro au RPG, bon j'y ai joué une bonne heure pour le moment. C'est assez long.
Et les ennemis au départ sont vraiment nuls et répétitifs. Et ça, c'est bien relou. Bon, après, voilà, on nous annonce quand même de très beaux graphismes. Et c'est bon, c'est un jeu qui date, vu que c'est le premier opus. Dans le 2, enfin, il y a le 2. Je sais pas comment c'est, mais bon, c'est pas les meilleurs graphismes au monde, mais c'est assez beau. Bon, bien sûr, ça ne vaudra jamais les graphismes annoncés à l'arrière, puisque ce sont des graphismes PC. Alors, ensuite, on va continuer avec la PS Vita. Donc, par ordre alphabétique, bien sûr. Vous pouvez aussi retrouver par rapport aux vidéos qui ont. Enfin, aux jeux qui ont des vidéos. Vous pouvez le retrouver soit là, soit là. La vidéo en question. Donc, en premier, nous avons Dokuro, un jeu d'action, aventure, enfin, plus action, qui est un jeu Jap que j'ai eu en échange avec iWeb Girl, qui est très bon. Bon, je suis au premier boss et il est chaud parce que je n'ai pas utilisé la bonne technique, puisque je suis resté en squelette au lieu d'être en humain, en prince plutôt. Ensuite, nous avons Epic Mickey 2, que j'ai eu pour 20 euros à Micromania, que je n'y ai pas joué. Ensuite, on a l'édition collector, enfin l'édition limitée, oui, limitée cette fois-ci, juste limitée. Il n'y a pas d'édition collector à proprement dit. Voilà, donc Hyperdimension Neptunia Rebirth de Sister Generation en édition collector qui m'a coûté 80 balais, enfin 80 boules, parce que balais ça m'a fait mal au cul pour ce qu'il y a, puisque dedans, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il n'y a vraiment pas grand chose, et pour ce prix-là, avec les frais de port, c'est assez cher. Bon, c'est un RPG, j'attends de me trouver le premier opus, bien que je l'ai sur PS3, mais je préférais l'avoir sur PS Vita parce qu'il est en version améliorée. C'est un RPG, un JRPG sur la guerre des consoles. Ensuite, on a, que vous pouvez aussi retrouver en vidéo, Lego Batman 3, toujours sous blister, que j'ai reçu en cadeau d'un concours de chez Micromania avec, voilà, si je le, voilà, une petite figurine Lego à monter soi-même, le Tumbler de Batman. Après, un autre jeu de chez Disney, exclusif à la PlayStation Vita. Il s'agit du Muppets Movie Adventures. Et j'ai une pochette qui vient de me tomber dessus. C'est pas grave. Donc, ouais, un jeu basique. Bon, j'y avais joué à la Paris Games Week et c'était vraiment pas top comme jeu. Bon, après, je l'ai pris bien sûr pour mon full set, mais c'est pas le meilleur des jeux qui puissent exister. Pour les enfants, oui, puisque c'est un jeu de plateforme, mais c'est pas vraiment le top. Après, bon, peut-être parce que je ne connais pas les personnages, tout ce qui est Kermit la grenouille, Perguy, enfin Peggy la cochonne, et tous les autres. Voilà. Ensuite, on a Rugby 15, le deuxième jeu de rugby de la PS Vita. Le premier, il s'agit de Jonah Lomu Rugby Challenge, qui est à l'heure actuelle le jeu le plus rare de la console. C'est un jeu basique, hein. C'est du bon, pas très beau sur PS Vita, hein. Ça faut se le dire, contrairement à la version PS4. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on termine avec le dernier jeu que je me suis pris ce mois-ci sur PS Vita, hein, du même éditeur que Rugby 15, WRC 4, voilà, si on voit une version améliorée du 3, hein. Bon, la jaquette, enfin la tranche, ils auraient pu faire un peu mieux, enfin, un peu plus d'efforts, et recentrer le WRC en haut parce que voilà, c'est assez moche, faut se le dire. Et donc, déjà sur PS Vita, il n'y avait pas grand-chose, hein. Il y avait 2, 4, 7 jeux. Le mois prochain, il y en aura. Ouf, je suis fatigué là. Il y en aura un petit peu moins. Parce qu'il y a un petit colis qui arrive. Et vous allez voir ce que ce sera. De toute façon, je ne vais pas vous spoiler de suite. Ensuite, sur PS4, il nous reste 2 jeux. Mais avant les jeux PS4, on va continuer avec un autre des colis que je vous ai déballé ce mois-ci. Il s'agit de la figurine de Minato, le troisième ou non, quatrième Hokage, voilà, que je me trompe pas, le père de Naruto.
Donc voilà, figurine assez belle, même si elle n'est pas aussi parfaite que sur le packaging. Bon, ça ira dans ma future vitrine que je vais bientôt récupérer. Même si ce ne sera pas la meilleure des vitrines qui puisse exister, comme on peut voir sur d'autres vidéos, de par exemple Polo 76, même si bon, il y a des trucs qui, moi, dans ces vitrines, je trouve ça inutile. Après, voilà, c'est mon avis. Bref, il y a d'autres vitrines qui sont très belles aussi, hein, avec de très belles pièces Zelda. Je mettrai des quelques petits liens dans la description. Donc, sur PS4, on a PES 2014 en version promo que j'ai gagné au concours de Gros Nemo, que je remercie encore. Voilà, j'y joue là en ce moment, et à vrai dire, ça vraiment, enfin, c'est un peu plus difficile que sur le 2014. Bon, le 2014 aussi, faut dire que voilà, en un an, quasiment un an et demi de jeu dessus, on a vite comment mieux le dire, c'est plus facile quand on joue un an et demi sur un même jeu et en chant que voilà, même pas une semaine. Donc voilà, je joue principalement en Become a Legend, et c'est au départ, c'est vraiment, c'est assez dur, hein. Bon, surtout que quand on passe de la difficulté Superstars de PES 2014, où je peux marquer 200 buts par saison, à la difficulté Superstars de PES 2015, où je me prends 5 buts à tous les matchs. Mais il reste très bon et très très beau, contrairement au 2014, même si, bon, bien sûr, le 2014, je peux pas comparer, puisque voilà, c'est une version PS4 et moi je l'ai sur PC. Et on termine avec le plus beau jeu de la PS4, l'un des meilleurs, que tout le monde aime critiquer parce que voilà, c'est la mode, qui a une assez longue durée de vie. J'ai à peu près 10 heures de jeu dessus. Moi, je l'ai terminé en à peu près 10 heures. Donc voilà, ça, c'est deux fois plus que ce qu'annonce tout le monde. Donc il s'agit de l'édition collector de The Order 1886. J'attends la suite. Parce que oui, il y aura une suite. Je n'ai toujours pas, par contre, sorti le Sushi's Place, que je ferai en, j'espère, une vidéo où je capturerai, enfin, je trouverai tous les tous les collectibles, voilà, car il y en a un bon paquet. Donc ouais, c'est un easy platine, hein, si vous voulez, hein. Donc allez-y. Après, bon, 90 balles pour ça en édition collector, moi, vu que voilà, je vais pas revenir dessus, j'ai eu pour 10 euros. Donc ouais, pour 90 balles, je ne vous le conseille pas. Par contre, pour 75 euros, l'édition limitée, ça, c'est plutôt pas mal, puisque ce n'est que 5 euros de plus que l'édition basique. Et on a dedans des DLC en plus, l'OST et un steelbook. Et donc, voilà, cette vidéo est déjà terminée avec The Order. Et donc, on se retrouve très bientôt. Alors, très bientôt, qu'est-ce que ça veut dire ? Avec moi maintenant, surtout pour ce mois-ci, c'est que là on est 28 et il reste, enfin bon, je vais recevoir un colis très prochainement, et donc ce sera dans 2-3 jours, 2-3 jours, puisque normalement il arrive le 3, donc ce sera un petit colis des japonaiseries de Sushi TV, et j'espère qu'il y en aura un deuxième ce mois-ci, en plus de celui que je vous prévois là. Bref, sur ce, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. J'aimerais que vous me donniez vos avis par rapport au jeu que j'ai eu ce mois-ci. Et bien sûr, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde !